Bonjour les gens, bonsoir. Ça dépend quand vous voyez la vidéo. J'espère que vous allez bien parce que moi ça va. Comme vous pouvez le constater, j'ai changé de cadre. Je teste plusieurs choses pour voir dans mon petit appartement ce qui peut bien aller, ce qui peut bien rendre. Du coup, dites-moi ce que vous en pensez. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui je vais partager avec vous mon expérience ou alors mon ressenti par rapport à mon séjour au Bénin. D'abord, je suis désolée les Béninois, je suis désolée parce que je venais vraiment avec une optique un peu. Voilà quoi, qu'est-ce que je vais m'attendre, qu'est-ce que je peux tout voir au Bénin, vous voyez. Mais comme je suis très curieuse, je me suis dit, ouvre ton esprit Ingrid, vas-y quand même. Tu vas forcément découvrir de nouvelles choses et de très belles choses. C'est vrai que je venais avec des a priori. Je venais avec des a priori. Je me disais, voilà, Bénin, pays en voie de développement, comme la plupart des pays d'Afrique. Je venais en mode Bénin, vaudou, positif, négatif, vaudou. En général, c'est décrit comme négatif. Donc, c'était ces deux choses que j'avais dans ma tête, quoi. Vaudou et pays en voie de développement. Donc, petit pays, qu'est-ce que je vais pouvoir voir là-bas? Mais j'ai vraiment été très agréablement surprise et je vous explique pourquoi. Il y a tellement de choses qui sont passées que je ne peux pas faire le condensé de tout ça en une vidéo, sinon elle va être très longue. Donc je vais vous parler de quelques faits marquants et souvent dans d'autres vidéos, je vais peut-être revenir sur X, Y, Z, faits marquants. La première chose dont on va parler là maintenant, c'est l'arrivée au Bénin. Donc les gens, si vous voulez venir, si vous voulez partir, parce que j'y suis plus, si vous voulez partir au Bénin, n'hésitez pas. Parce que en fait, les gars, c'est carré. Surtout avec ce qui se passe maintenant au niveau de la crise sanitaire. Moi, je suis partie, c'était en février 2021. Et les gars, c'était carré. C'est-à-dire que tu arrives à l'aéroport, avant même que ton pied n'entre vraiment sur le territoire, à l'aéroport, on te fait passer le test Covid. Si le test est négatif, le test de 15 minutes là, si il est négatif, on te prend quand même ton passeport, on te fait quand même encore le long test. Pour vérifier que le petit test là est bien efficace. Ouais. Les gars sont carrés. Tu es dans ta voiture. Dans la voiture, même si tu vis avec ton mari, ta femme et tout ce que tu veux, tu dois porter ton masque dans la voiture. Béninois, expliquez-moi un peu le concept. C'est carré, c'est vrai, mais là je ne comprends pas le concept. Je vis et je dors avec mon mari, mais je dois porter le masque dans la voiture avec lui, alors qu'on dort ensemble dans la même chambre. Expliquez-moi le concept, les gars. J'ai pas compris, mais vraiment j'ai pas compris. Mais en tout cas, question crise Covid là, les gars, c'est carré. Donc si c'est un truc qui vous fait paniquer, vous dites que non et tout, est-ce que si, est-ce que ça, au Bénin, sérieusement, le Bénin c'est l'un des pays en Afrique où j'ai été, oui j'ai ça de ouf. Donc pour parler de l'arrivée, remettons les choses dans leur contexte, moi je suis camerounaise, c'est-à-dire que mon passeport est camerounais et en fait les Camerounais n'ont pas besoin de visa pour aller au Bénin, donc ça c'est béninois, je vous aime, vous en avez, je vous aime, donc c'est-à-dire que c'est... Ça m'a renforcé encore l'esprit que j'avais en mode « Ouais Ingrid, tu es chez toi, quoi, tu vois. Tu pars chez toi quand tu veux. Il faut juste que ton test soit négatif, mais tu peux aller chez toi. Donc, tu es chez toi. » Par contre, pour les afro-descendants qui ont d'autres passeports, c'est-à-dire que ma grande soeur, par exemple, elle a le passeport. J'ai voyagé avec ma grande soeur et elle a un passeport de l'Amérique du Nord. Donc, elle a dû prendre un visa, un e-visa, mais c'est hyper rapide. C'est-à-dire qu'elle a demandé son e-visa, je ne sais pas moi, à 9h et à 10h, elle avait sa réponse, ou à 9h30. Donc, c'est hyper rapide. C'est vraiment tac, 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 c'est carré. Donc, pour le coup, là, je pense que j'ai beaucoup utilisé cette expression, mais au Bénin, c'est carré. Franchement, pour les Français, parce que je sais qu'il y a pas mal de Français qui me suivent sur la chaîne, le visa est à 50 euros. Donc, ça, c'est les informations que j'ai aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'il en sera quand vous regarderez la vidéo. Il faut bien vérifier quand vous allez vouloir voyager. Mais au jour d'aujourd'hui, quand je regardais, c'était 50 euros pour le visa. Et nous sommes en mars 2021. Donc, tu fais ton test Covid à l'arrivée. On prend ton passeport. Le temps que le deuxième test Covid, les résultats sortent, tu vas 2 jours après au palais des congrès, il me semble. Béninois, confirmez-moi l'information. C'est bien le palais des congrès, non? De toute façon, ils vous le disent à l'aéroport. Tu vas 2 jours après au palais des congrès pour retirer ton passeport et pour retirer les résultats de ton test Covid plus long. Et le prix est de 51 125 francs. C'est payant. 51 125 francs. Faites la conversion dans la monnaie que vous utilisez. C'est vrai que pour nous, pour moi qui suis camerounaise où c'est gratuit, je me suis un peu dit, ah, oh, il faut payer. Et en plus, je vis en France et en France aussi c'est gratuit. Donc, j'étais vraiment en mode, ah, il faut payer. Vous voyez?
Mais c'est carré. Franchement, c'est carré, c'est bien fait. On est dans d'autres pays. Je suis dans d'autres pays où il fallait payer, où c'était pas aussi carré. En parlant des tests Covid, quand vous êtes déjà sur le territoire, au moment de rentrer, si vous êtes pressé par le temps, il y a ce qu'ils appellent le test VIP, le test Covid VIP. C'est reconnu par l'État, c'est pas une histoire de corruption ou de ce que vous voulez. C'est reconnu par l'État. Et pour le test VIP, c'est 73 600, je crois, un truc du genre. En tout cas, prévoyez 64. En gros, prévoyez entre 70 et 80 000. Je n'ai plus le montant exact. Je vais afficher à côté le montant. J'ai essayé de profiter au maximum du Bénin. Donc, j'ai visité 4 villes. Cotonou, évidemment, la capitale où on a le plus principalement bouffé et tout. Que j'ai vraiment, vraiment kiffé. Je ne vais pas tout vous raconter dans la vidéo parce qu'à un moment, et c'est humain, l'attention se perd. Donc, c'est mieux que mes petites anecdotes. Je les garde pour les prochaines fois ou les prochaines vidéos. Donc, j'étais à Cotonou. J'ai fait Boïkon. On allait visiter le palais du roi Béhanzin. Et ça, c'est un truc. Les gens qui vont au Bénin, qui ne sont pas, je sais pas moi, qui sont pas béninois et qui veulent. Allez-y. Personnellement, je suis une férue d'histoire. J'adore tout ce qui est histoire ancienne. Par exemple, je suis en France. J'ai visité pas mal de palais en France. Je suis allée en Asie. Je suis allée en Corée du Sud. J'ai visité les palais de la Corée du Sud. Ça, c'est un truc que j'aime. Parce que moi, avec ma fibre artistique, je m'imagine comment est-ce que les gens étaient habillés, comment est-ce qu'ils vivaient. Voilà, avec le guide qui t'explique le pourquoi du comment, tu peux t'imaginer les intrigues dans le palais qu'il y avait. Comment est-ce. Vous voyez, c'est. Personnellement, j'adore. Donc, je vous invite à y aller. Et c'est une vraie. Je vais faire une autre vidéo sur le palais, je pense. Hein. Déjà, je vous mets quelques images de. Je vous mets des photos de l'entrée du palais, à quoi ça ressemble. Et je pense que je vais peut-être vous faire. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Je vais peut-être faire une vidéo de comment ça s'est passé, plus en détail des palais et tout que j'ai déjà visité. Peut-être un comparatif France, Corée du Sud et du coup, là, maintenant, Bénin. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous voulez. Mais déjà, je vous invite vraiment à y aller. C'était vraiment un truc de fou. Déjà, de base, je suis une fille assez girl power et tout. J'aime trop. Et donc, quand tu arrives là-bas, on te dit, ouais, c'est l'ancien royaume du Dahomey. Là où c'était les Amazones. Les femmes, c'est les femmes guerrières. Le roi était entouré que de sa cour, c'était que des femmes. Le ministre de l'Intérieur, c'était une femme et tout. Que voilà comment est-ce que la formation était faite pendant 2 ans. Et tout, nanana, tu vois la cour, on te dit que non, comme ça, les gardes étaient là et tout. Gars, c'est puissant, les gens, c'est puissant, c'est puissant. Personnellement, j'ai kiffé. Personnellement, j'ai kiffé. Donc, j'ai fait Boïkon. On a fait les palais. On a fait 2 palais d'ailleurs. On a fait celui du roi Béhanzin. On a fait un deuxième palais. On a aussi fait les petits palais des princes et tout ça, là où la reine mère restait, là aussi, là où ça. C'est vraiment un truc, genre, tu te mets. Vous voyez, c'est comme dans les films là. Tu te mets. Je sais pas si vous regardez sur les films Naija. Moi, j'ai regardé les films Naija. Dans les films Naija, tu vois, on te dit le roi, là. Bref, tu te dans la représentation, comment ils avaient leur pagne là, comment ils avaient leur truc. C'est un truc de fou, c'est puissant. Les gens, personnellement, moi, j'ai kiffé, c'est puissant, les gens. Bref, allez-y. Allez-y, vous allez me dire. Donc, du coup, Boïkan, Cotonou, là-haut. Et Cotonou, j'ai été agréablement surprise par les super belles plages, par la bouffe, par le service. Ça, c'est encore un autre objet. C'est vraiment un truc à part. C'est-à-dire que j'ai trop de choses à dire sur le Bénin. Mais retenez seulement que Cotonou, il y a des restaurants, il y a les plages, il y a les magasins. Bref, c'est la capitale, quoi. Il y a le palais, il y a. Quand je dis le palais. Il y a donc à Cotonou, il y a tout ça, il y a le palais président. Donc, il y a le palais présidentiel. À Cotonou, c'est vraiment carré, quoi. Je sais que les routes sont super bien faites, sont hyper tracées. Il y a les voies de circulation pour les motos. Les voies de circulation pour les voitures. Rappelez-moi, les Béninois, j'ai oublié comment on appelle les motos, là, les moyens de transport en commun chez vous, les motos. Comment on appelle ça? J'ai oublié, c'était. J'ai oublié, mais rappelez-moi, j'ai hyper bien mangé, j'ai hyper bien bouffé. Ils ont besoin d'être vifs, d'avoir l'esprit vif. Il faut ça. Ça, c'est gambas.
J'ai été agréable, mais vraiment très agréablement surprise par la chaleur. J'ai senti énormément de chaleur quand j'allais au Bénin. Moi, on m'a dit, ouais, les Béninois sont sérieux, les Béninois, si, ça, ça. Et moi, j'adore rigoler, donc j'étais toujours en mode, ah, je vais rigoler avec qui là, si personne n'aime rigoler, ils sont trop sérieux ici. Mais en fait, j'ai trop rigolé, les gens. J'ai trop... Je sais pas si je suis tombée sur des personnes qui sont bien, mais on a passé notre temps à rigoler. C'était cool, quoi. Franchement, grosse belle surprise pour le Bénin. Entre parenthèses, le service est juste. Je pense que je vais faire une autre vidéo pour parler de ça parce que comparer le service du Cameroun, par exemple, avec le service du Bénin, c'est quelque chose. Donc j'ai fait aussi Ganvier, qui a toute la troisième ville. Ganvier, j'ai fait une vidéo sur Ganvier. N'hésitez pas à aller la regarder si vous ne l'avez pas encore vue. Ou vraiment là, c'était... J'ai fait une vidéo entière sur Ganvier, qui est une ville sur l'eau. Je ne savais pas, parce que moi, personnellement, j'ai beau habiter en Europe, je suis jamais allée à Venise. Donc je connais Venise à travers... Je connais ça à travers la télé, vous voyez. Mais là, j'étais vraiment en immersion, quoi. En immersion, vous voyez comment les gens, ils vivent sur l'eau. Donc comment... Il y a des gens qui m'ont demandé, m'ont posé la question à comment ils font leurs besoins et tout. J'ai pas posé la question, les gens. Je suis désolée, j'ai pas posé la question. Mais c'est vrai que c'est une question intéressante. Hein. Mais c'est tellement waouh quand tu te dis, tu as ton argent tombe, ton téléphone tombe et pam, c'est fini, c'est dans l'eau, tu vois. Les femmes qui font leur marché sont dans leur pirogue et tout. Ah, petit point. J'ai remarqué qu'au Bénin, les femmes sont très... Ouais, tout à l'heure, je vous parlais des Amazones. Je pense que c'est un dérivé. Hein. Moi, j'ai vu des femmes sur les motos. Je me suis dit, oh là là. Mais Ingrid, genre, avec leur casque, elles attachent le pagne et tout. L'enfant attaché derrière et tout. Elles sont sur le scooter et tout. Vous voyez un peu le truc. C'était... Personnellement, j'ai kiffé. Personnellement, moi, j'étais en mode, putain, je vais faire mon permis moto aussi, je veux sur mon scooter, je vais balader à côté d'elle et tout. C'était, ça donne un vent de, je sais pas, de liberté, de sensation. J'ai trouvé que les femmes béninoises étaient vraiment très... Alors, je parle toujours dans la généralité, ce que j'ai observé de loin, mais j'ai trouvé qu'elles étaient très dans l'action. Elles sont pas vraiment, elles n'étaient pas beaucoup, elles n'étaient pas dans le... les bacs, quoi. Je sais pas si comment je peux le dire en français, mais c'était pas dans la retenue ou dans le retrait. Mais c'était très... Voilà, j'ai un peu plus d'impression en tout cas, personnellement, ce que je voyais. Elles ont l'air très indépendantes. Et la quatrième ville que j'ai faite, c'est Ouidah. Alors, Ouidah, c'est une ville que vous devez absolument faire pour quatre raisons. La première qui va peut-être... qui est... historique, mais qui est très importante. Je parle principalement aux afro-descendants. Pour les afro-descendants, c'est la porte de non-retour. Donc à Ouidah, il y a un endroit qu'ils ont érigé en porte. Malheureusement, je n'ai pas de vidéo, de photo parce que c'était interdit de filmer. Où maintenant, mais je suis descendue pour m'arrêter quelques minutes devant cette porte. En fait, c'est la porte où, à l'époque de l'esclavage, donc pendant plus de 400 ans, quand vous amenez là-bas, vous saviez que vous ne pouviez plus revenir, en fait. C'était comme au Sénégal, on dit la porte de non-retour. Quand vous étiez là-bas, vous saviez que c'était fini. Vous saviez que c'est bon, quoi. Je ne vais plus revoir mes enfants, je ne vais plus revoir ma femme, je ne vais plus revoir mes grands-parents. Je ne pourrais plus faire mes rites traditionnels. Je ne pourrais plus honorer mes ancêtres sur leur tombe. Vous voyez un peu. Donc c'était ça. C'était vraiment la porte où vous saviez que on est en train de me déraciner. On est vraiment en train de me déraciner. Et ça, c'est quelque chose de fort. Personnellement, on est arrivé, quand je suis arrivée là-bas, il y a eu comme un volcan d'émotions en moi. Ça m'a vraiment rappelé, comment dire, ça te remet les pieds sur terre. Ça te remet les pieds sur terre parce que c'est pas parce que tu vis aux États-Unis, en France, ou je sais pas où tu vis, où je vis. C'est pas pour ça, mais il y en a qui étaient là avant, qui auraient tellement aimé rester chez eux, qui auraient aimé voilà, rester avec leur famille et tout. On leur a arraché ça. On leur a arraché ça, on leur a arraché la possibilité de devenir, de continuer à construire leur pays. Là, on leur arrache la possibilité
de fonder leur famille, de continuer leur rite traditionnel, de nourrir leurs ancêtres. On leur a arraché tout en fait. On leur a arraché tout ce qui fait de toi. Et tout ça à cause de ça quoi. Et attention, ce n'est pas un truc en mode le racisme et tout, c'est pas ça. Mais c'est vraiment en mode c'est important de se, personnellement je trouve que c'est très important de se reconnecter. Et moi le fait d'être allée là-bas, en fait le fait d'avoir vu ça, pas à travers les livres, pas à travers les émissions de télé, pas à travers ça, mais le fait d'être là-bas, c'est comme si en fait, c'est bizarre, mais c'est comme s'il y a encore l'âme de ces personnes qui... Tu ressens un flux d'émotions. Moi personnellement, je vous l'avoue, je ne suis pas du tout fleur bleue ou ce que vous voulez. Je ne suis pas du tout truc, mais j'ai les larmes qui me sont montées aux yeux. J'ai eu comme un mélange de... Et Dieu que je ne suis pas béninoise, Dieu que le Cameroun n'est pas frontalier au Bénin, donc je ne suis même pas sûre que mes ancêtres directs étaient là-bas. Mais en rien, ça te vit. Dans une séquence d'émotions, quelqu'un m'appelle. Et donc, suite à cet appel, donc, l'émotion est redescendue. J'ai pas eu la porte de non-retour. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment important d'y aller. Et de... Ça te remet les pieds sur terre. Personnellement, moi, ça m'a remis les pieds sur terre. Et je me suis dit... Alors, la vocation de tout le monde n'est pas de rentrer sur le continent et tout. Non, je ne dis pas que si vous êtes bien dans votre pays d'accueil, restez-y. Si vous êtes bien, si vous êtes né, vous avez grandi, je ne sais pas moi, au Canada, je ne vous demande pas de revenir au Bénin. Non, je ne vous dis pas ça. De toute façon, suivez votre cœur. Donc, c'est quelque chose que je conseille à tous les Afro-descendants. Allez-y, pas forcément au Bénin. Je sais que ça existe au Sénégal aussi. Je n'y suis pas encore allée. Mais il est important de se reconnecter. Au moins une fois dans sa vie, d'essayer de vous reconnecter. Et voilà, je ne suis pas là pour donner des leçons. Je ne suis pas une donneuse de leçons. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Je ne fais que dire ce que je pense et inciter les gens à... et donner mon avis, quoi. Donc, suite à cette séquence émotion, on va dire, Ouida donc est à la porte d'un retour. Il y a les plages. Ouida est très connue pour ses plages. Ouida est... Je pense que c'est l'un des endroits au Bénin qu'on connaît... Pour les plages quoi, vraiment c'était déjà de Cotonou à Ouida, c'est que des plages parce que Cotonou c'est côtier, Ouida c'est côtier, donc vous vous rendez bien compte que si on a fait le trajet en voiture et c'était que des plages, c'est magnifique, franchement c'est magnifique. À certains moments, les vagues sont un peu violentes, donc pour se baigner, c'est un peu compliqué. En plus, avec le contexte actuel de la Covid, c'est un peu plus compliqué de se baigner parce que les groupes sont interdits. Mais c'est magnifique. Franchement, pour des photos, pour prendre un peu de soleil, pour prendre un peu d'eau salée, c'est magnifique. Personnellement, j'adore les plages, j'adore l'eau, j'adore la piscine. Donc, moi, j'étais comblée, j'étais ravie. Donc, les plages... je vais vous mettre quelques vidéos. Trop beau. Regardez comment les gens ils sont. Tu t'assois, tu réfléchis à tes problèmes. En plus des plages, on a aussi... à Ouida, vous pouvez aller au temple des pitons. Le temple des pitons, donc, c'est un endroit parce que dans la culture, dans la spiritualité vaudou, le piton, c'est un animal sacré qui enlève... Corrigez-moi si je dis n'importe quoi, hein. Mais c'est un animal qui enlève les mauvais... Bref, qui enlève tout ce qui est négatif en soi. Donc, quand on te pose le piton sur le cou, je vais vous mettre un extrait de vidéo de moi avec un piton sur le cou. Quand on te met un piton sur le cou, il est là pour enlever, il enlève les trucs négatifs en toi. La spiritualité vaudou, ils ont construit un temple parce que le piton, c'est le seul serpent vraiment qui n'est pas négatif, qui ne va rien faire de mal à l'homme, au contraire, il n'apporte que du positif. Donc là, je vous mets un extrait de vidéo. Regarde plutôt la photo. Voilà. Là, c'est bien même posé pour toi. Non, mais c'est vrai, ça va. Oui, oui, je sais. J'étais un peu flippée sur la vidéo, je sais. Je sais, mais voilà. Et à l'intérieur du temple, il y a que des pitons, voilà, des trucs quoi, tout et tout. Et moi...
Quand il y en a là-bas, hein? J'ai vraiment la phobie des serpents, c'est vraiment l'un des trucs, mais c'est intéressant le jeu, vous voyez, c'est vraiment intéressant de jouer le jeu d'entrer. Quand vous entrez, personnellement, moi, quand je vais dans un pays, je fais tout pour le plus possible adhérer à la culture de ces personnes, non seulement pour ne pas les froisser, pour essayer de mieux les comprendre. Ça donne une ouverture d'esprit, et voilà. La quatrième chose à faire à Vida, c'est la forêt sacrée. Alors, je ne sais pas de quelle spiritualité, de quelle religion vous êtes, et ce n'est pas le but de cette partie de la vidéo. Mais en fait, la forêt sacrée, c'est quelque chose qui est sacré pour les pratiquants du vaudou. Donc, c'est là où les pratiquants du vaudou vont faire... les activités. Et donc elle est scindée en deux parties, la partie accessible aux touristes, dont celle que j'ai pu visiter, et je vais vous mettre les extraits des vidéos juste après, et la partie qui n'est pas accessible aux touristes, où voilà, tout ce qui est vraiment vraiment très sacré dans la spiritualité vaudou se fait. 1988. Le 4 juillet 1988, l'arbre que vous voyez debout était déraciné au cours d'une tempête. L'arbre était tombé. En voyant tomber, c'était tombé sur la voie. Ça avait barré la voie, là nous sommes ici. Mm-hmm. C'était la seule voie qui mène dans la forêt, l'autre a été créée après. Mm-hmm. C'était resté par terre de 4 juillet au 14 juillet. C'était fait 41 jours par terre. C'était après 41e jour qu'on a appelé les bûcherons de venir couper l'arbre pour pouvoir le faire dégager. Ils étaient venus, ils avaient enlevé les branches de l'arbre et ça restait le tronc. C'était le tronc qui coupait vers la racine. Il restait un peu de la racine non coupée qui s'est relevée de nuit. Ça s'est redressé toute seule. Là, il a été coupé là où il y a les branches là, et c'est là qu'il a encore reparti. Non, le gars, il s'est redressé seul. Oui, seul. Le 14 juillet 1988. 1988. Hey. Personnellement, j'aime beaucoup me prêter au jeu de tous les endroits où je vais, vraiment pour ouvrir au maximum mon esprit. Et en ouvrant mon esprit, quand je suis allée à la forêt sacrée, il y a vraiment, comme vous savez, comme un mélange de... un tumulte de... un mélange de choses, vous voyez. Quand tu ouvres ton esprit, tu te dis, ok, je veux comprendre pourquoi est-ce que le vaudou c'est ça, pourquoi est-ce que le vaudou c'est l'une des premières religions, pourquoi est-ce que le vaudou ce n'est que de l'amour. Oui, parce que le vaudou ce n'est que de l'amour, ce n'est pas un truc négatif. En tout cas, le vaudou qui est bien pratiqué n'est pas négatif. J'ai ressenti comme, vous savez, comme quelque chose qui se passait, et je me suis dit, waouh. Mais qu'est-ce que je fous là? Mais qu'est-ce qui se passe là? C'est assez impressionnant, c'est assez intéressant, surtout quand c'est avec un guide qui vous explique bien les choses, un initié. Petit hors sujet les gens, petit hors sujet, je me pose une vraie question. Pitié, répondez-moi, parce que c'est une vraie question que je me pose. Béninois, dites-moi. Ou alors ceux qui vivent au Bénin connaissent bien les Béninois, ou qui sont mariés aux Béninois, je n'en sais rien. En tout cas, ceux qui ont la réponse, dites-moi. Pourquoi? Je rigole déjà. Pourquoi? Quand on entre, pourquoi vous fermez vos portes à tout bout de champ? Je m'explique. On va aller dans un magasin de vêtements, il est quoi, 15h, donc ce n'est pas la pause, ce n'est rien. On veut entrer, tic, la porte est fermée. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? On se dit, ils sont en pause ou on se regarde et tout. Et puis, ils viennent ouvrir la porte derrière nous. Tac, 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 tac. Non, entrez. Non, ok, on entre. Et puis, pap, ils referment la porte à clé derrière nous. Moi, je me suis direct, je me suis retournée, mais... c'est le piège, c'est quoi, gars? Dites-moi, qu'est-ce qui se passe et tout. Non, c'est comme ça qu'ils font le service, on finit, tata, on finit de faire nos emplettes. Ils réouvrent la porte à clé, on ressort. Et ils referment la porte à clé derrière nous. Pareil pour les maisons et tout. En journée, je sais pas moi, il est... pourquoi? Expliquez-moi pourquoi. Mais à contrario, tu es dans ta voiture, tu ne fermes pas ta voiture à clé. Donc, tu ne te dis pas que non, un voleur peut venir, tu as tes paquets à côté, un voleur peut ouvrir la porte, ramasser tes paquets et fermer. Non, ça, tu ne te le dis pas parce que non, on ne va pas faire ça. Mais tu es dans ton magasin, tu fermes à clé. En vrai, expliquez-moi, je n'ai pas compris le concept. C'est pas une critique, hein, c'est d'autres culturels. Je veux juste comprendre pourquoi, parce que j'ai posé la question là-bas. Les gens ont rigolé, mais ils ne m'ont pas donné de réponse. Donc, je veux bien avoir la réponse. Bon les gens, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que ça vous incitera à aller visiter le Bénin. Énorme, énorme, énorme coup de cœur pour le Bénin. Béninois, je ne m'attendais à rien en arrivant chez vous. Et là, je suis ressortie en mode,
je vais repartir. En moi, je dois repartir au Bénin. J'ai eu un énorme coup de cœur pour la manière d'être des gens, pour le service, pour... Vous m'avez eu, les gars, vous m'avez eu. Vous m'avez eu. En gros, vous m'avez eu. J'en perds mon latin. Vous m'avez eu. Bref, dites-moi en commentaire si ce genre de vidéo vous plaît. Parce que j'en ai pas mal sur les pays que j'ai déjà visités. Je n'ai pas pu tout dire sur le Bénin, vous en doutez bien. Parce que déjà, de un, je bavarde beaucoup. Et de deux, il y a trop de choses à dire. Si ça vous plaît, je ferai une deuxième vidéo où je vous donnerai peut-être plus d'anecdotes sur ce qui m'est arrivé. Je vous donnerai là des story time sur ce qui m'est arrivé. Je peux aussi vous faire un truc où je vais vous donner les adresses, si ça vous intéresse. Les adresses des coins à visiter, des trucs, dites-le moi en commentaire. Et je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo.